Bonjour la cité, vous me manquez beaucoup, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se réunir, mais à travers la vidéo, je vais vous expliquer comment se passe mon confinement et comment je vis ce temps-là. Bon, je m'ennuie un peu, ça je vous l'avoue, je vous le cache pas, mais merci à Dieu que j'ai un jardin et que je peux sortir, prendre l'air et faire des activités dehors, jardiner, faire du vélo, passer du temps au soleil. Mais du coup, ce temps de confinement, ça me donne plus de temps pour me poser, réfléchir à des projets, pour l'avenir, passer du temps avec mes parents, ma petite sœur. Bon, ma petite sœur, on sait jamais de temps en temps, mais... Arrête, c'est faux! Voilà. Frères et sœurs, vous savez, c'est tout le temps comme ça. Mais ça va, je l'aime bien. Mais du coup, oui, j'ai du temps pour passer avec mes parents, lire la Bible, qu'on prie ensemble. Et oui, juste tout simplement qu'on passe du temps ensemble à faire des activités. Mais ce qui me manque beaucoup, c'est le fait de ne plus aller à l'église. Avant, j'aimais beaucoup me lever le matin et partir à l'église le dimanche matin. C'était un super événement dans la semaine. Mais ça me manque aussi de sortir voir mes amis dehors, faire des activités avec mes amis dehors aussi, en dehors de l'école, et les activités sportives, tout ça, mais bon, ça va, ça va revenir dans pas longtemps. Mais du coup, toute cette situation, ça fait mal au cœur, on voit des gens mourir, y a pas mal de gens en réanimation, et c'est une situation assez compliquée. Donc bon, ça va, je suis pas très inquiet, je sais que toute la situation est dans les mains de Dieu, qu'il gère tout ça, qu'il nous protège, et que ça va se finir à un moment donné, mais voilà, il nous tient dans sa main et qu'on est protégé. Voilà, j'espère que votre confinement il se passe bien, le mien en tout cas, ça va, comme vous l'avez vu. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un like!